Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le numéro 105A et 106. Et on va retrouver, donc, on va commencer à installer les parties des. Comment dire? Des supports pour les munitions hein, qu'il y a dessus. Donc voilà, on va un peu charger un peu plus avec les lance-missiles dessus. Je vous dis du coup, à plus les amis. Tchuss! On va s'attaquer au pylône de l'aile droite, donc on va continuer toujours l'aile droite. Comme je vous dis, toute la partie gauche, on va faire ça en live entièrement. Et puis voilà, voilà. Donc, même en ce moment, je suis en train de penser, est-ce que je dois faire l'empennage avec vous aussi, donc droit ensemble, puisqu'il manque une partie, une seule pièce, une seule unique numéro pour que je finisse tout ça. Faut juste que je les harcèle. Mais voilà, ça va tout venir. Donc, dans ce numéro 605, pardon, on a des super lourdes pièces, et là je peux vous dire que ça pèse un âne, ça. Ça fait un de ses poids. Voilà. C'est ce que je vous appelle des pylônes. Et des pylônes, c'est ce qui permet un peu de supporter les missiles qui vont se situer juste en dessous, donc des ailes, bien sûr. Avec ici donc des pièces ici et des vis MM. Bon, on est parti pour le montage, ça va être un montage très très simple et très très rapide, c'est pour ça que je vous ai fait deux numéros en même temps. Et hop, on est parti. J'ai juste à récupérer l'huile qui est juste derrière moi. Donc on récupère toutes ces pièces là, si j'arrive à les prendre. Et on va les installer au niveau des languettes. Alors que je regarde bien, oui, c'est ça. Donc vous verrez bien qu'il y a une forme qui est assez caractéristique, hein, avec la languette où il y a le trou qui se situe juste ici pour installer la vis, et ça nous fait une forme de petite Z comme ça là, qu'on va installer à l'intérieur dans la fente ici. Clac. Voilà. Donc tout ça avec des vis MM, bien sûr. Et voilà, les deux vis sont faites et on va s'attaquer à la suite. Donc dans le 106, on va avoir différentes pièces. Ça de cette côté. On a donc le dessous de l'aile qui est juste ici. En plastique bien sûr. Avec toujours des belles écritures russes dessus. Ensuite, on a donc des vis OM qu'on a ici. Donc ça, je vais les décaler. Je vais les mettre dans leur sachet. Clac. Voilà, pour éviter de les perdre. Ensuite, on a plein de petites pièces qui se situent juste en dessous là. Qu'on va fixer maintenant. Allez hop. On est parti. Les lustiques avec donc d'autres vis. Hein, donc des vis CM et des vis MM. Donc, on va récupérer cette pièce-ci, là. Celle-là. Et on va la positionner juste à ce niveau-là. Donc, avec... Voilà, ça va, ça marche. Avec, donc, de la colle. Ici, on claque.
toujours de la colle dans les trous. Voilà. Pour que tout tienne correctement. Le R, il est fixé à ce niveau-là. Ce qui vient de donner donc pas mal de trucs. Voilà. Ensuite, on continue. On va récupérer donc les pièces. Bon. Qui sont. Hop là. Ces trois pièces-là qu'on va mettre donc sur le pylône et qui vont aller sur la partie arrière ici. Du coup on va les fixer de cette manière là, et là il faut avoir trouvé donc les vis, et les vis, si mes souvenirs sont bons, c'est des vis OM. Voilà, ça c'est fait des trois côtés. Voilà, voilà. Ensuite, on va mettre le reste. Ces quatre autres pièces qui sont en métal et qui vont venir se caler juste comme ça, là. Boum, ici. Et on rebelote, on met donc des vis OM en dessous. Voilà, ça c'est fait. Les trois parties sont faites et on va les fixer maintenant sur la structure directement. Donc avec des vis MM et des vis CM. Ok. Donc on les place chacun ici là. Un ici, l'autre à côté, clac. Clac et clac. Ouh, le poids qui va faire le bestiau. Bon, on commence déjà par le premier, ça va être plus simple. Alors, des vis MM à l'arrière et CM à l'avant. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Ok, bon. Et voilà le poids que ça fait. Eh ben, je peux vous dire que ça fait un poids en dingue. Hein. Voilà le devant et le dessous. Truc de malade. Hein. Truc de malade.
Donc, les pylônes sont faits. Bon, bah, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la suite. On va faire l'assemblage, je pense, final de l'aile, là. Et puis voilà. Allez, à plus. Tchuss. Donc, les amis, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi, du coup, je vous dis à la prochaine.